Le discours de nouvel an du président Alassane Ouattara fait réagir le PPSI. Son président exécutif Sébastien Dano-Djedjé, à l'occasion d'une conférence de presse, estime que le gouvernement ivoirien peine à répondre aux attentes de son peuple. Déguerpissement à Yopougon Carrefour Siporex. L'opération intervient dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement des voies structurantes de la commune. Des détails dans ce 7 minutes. Pour renforcer les capacités de la fourniture en électricité dans les communes de Cocody, Plateau et Adjamé, la CIE prévoit des coupures le dimanche 7 janvier de 5h à 9h du matin. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le PPACI réagit au discours du président de la République Alassane Ouattara. Le parti de Laurent Gbagbo qualifie 2023 d'une année chaotique dédiée à la jeunesse. Au cours de ce 22e numéro de la tribune du PPACI, le président exécutif Sébastien Dano-Djedjé dénonce l'augmentation du coût de l'électricité tout en accusant le gouvernement de faire preuve d'impuissance. Le chef de l'État a évoqué la confiance renouvelée des bailleurs de fonds, l'émergence des champions nationaux ainsi que la consolidation du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Nous sommes toujours à chercher à savoir si c'est pire de notre pays que parle le président Alassane Ouattara. Les faits qu'il évoque à cette fin sont très loin de notre réalité. En effet, la Côte d'Ivoire fait désormais face à un programme d'ajustement structurel. Après, ainsi que très accéléré d'endettement. Pour Sébastien Dano-Djedjé, le gouvernement peine à répondre aux attentes des Ivoiriens malgré les richesses que possède la Côte d'Ivoire. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État déclare avoir décaissé, et attendez bien, 361 milliards pour les jeunes et que la vie de plus d'un million de jeunes aurait été impactée par ce dispositif. Cet exposé appelle tout naturellement des interrogations. Le PPACI n'a pas fait que dénoncer. Le parti de Laurent Gbagbo propose la réduction du train de vie de l'État, la réduction de la dette globale à un seuil supportable pour les générations actuelles et futures, ou encore la réduction du chômage par l'optimisation de l'adéquation formation-emploi. Yopougon Carrefour Siporex. Comme on peut le voir sur ces images, les artères de cet espace sont en train d'être libérées. Il s'agit du déguerpissement des commerçants installés le long du trottoir de l'axe principal de Yopougon. L'opération de déguerpissement intervient dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement des voies structurantes de la commune de Yopougon, prônée par le nouveau maire Adama Bictogo, que commerçants et syndicats semblaient accueillir favorablement après des réunions d'information. Non, ça ne nous gêne pas. Avec ce développement de la suite. Et puis c'est la canne, c'est normal. Mais il n'a pas à avoir pitié de nous quand même. Pour nous donner une place, on peut se débrouiller. On a les enfants qui vont à l'école. On a nos maris qui ne travaillent pas. Donc on se débrouille de notre manière. Quoi. Voilà. Sinon, ce n'est pas mauvais, c'est normal. Pour développer un pays, ça c'est tout à fait normal. C'est pas mauvais. On s'est toujours lancé un appel au maire Bictogo parce que nous l'avons voté. Nous l'avons accueilli à Yopougon à cœur ouvert, qui ne nous ferme pas. Qui ne nous ferme pas, qui ne vient pas encore mettre le doigt dans la plaie. Ça va beaucoup nous affaiblir. Donc on lance un appel à monsieur le maire Adama Bictogo. Nous tous connaissons son nom, un diamant noir au niveau d'Abbeville. On le connaît comme un homme au cœur grand. Voilà, donc nous appelons au secours papa. L'appel lancé par ces impactés ne tombe pas dans les oreilles de sourds car la municipalité a prévu des plans de réinstallation. L'appel que j'ai à lancer aux commerçants de rester zen. Ne pas penser que c'est parce que nous voulons leur arracher leur pain quotidien. La preuve, le maire a incité ceux qui sont à la construction du plus grand marché d'Afrique, marché de GESCO, afin que les travaux s'accélèrent pour qu'on puisse vraiment installer ces commerçants pour la plupart. Et lorsque vous voyez la zone Siporex, il est prévu la construction d'une gare routière ultra moderne où il y aura des box de commerçants afin que ces commerçants puissent s'installer. L'opération n'est pas un cas isolé. À quelques jours du démarrage de la CAN 2023, une opération de grand ménage est effective dans les communes de la capitale économique ivoirienne. Le 4 janvier 2024, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan a autorisé le déguerpissement du marché Djekounan de la commune du Plateau.
Comme annoncé par le Premier ministre, la semaine prochaine marquera l'ouverture tant attendue d'une partie du 4e pont d'Abidjan. Une nouvelle satisfaisante pour les habitants de Yopougon. Pour la plupart des résidents, l'ouverture de cette partie du pont est perçue comme une opportunité de faciliter leurs déplacements et d'améliorer leur qualité de vie. On trouve que ça va diminuer un peu les embouteillages, ça va nous aider à mieux se déplacer, à pouvoir faire notre course. Sinon vraiment, il y a trop d'embouteillages à Abidjan. Pour sortir même, c'est tout un problème. Donc vraiment, on dit merci au président pour le boulot, pour le pont. Vraiment, ça va beaucoup nous aider à pouvoir sortir, aller vaquer à nos occupations, arriver à l'heure au travail. Ça va beaucoup nous arranger parce qu'il y a trop d'embouteillages à Abidjan. L'ouverture, ça va beaucoup nous arranger. Donc, on prie Dieu que ça va bien se passer dans la nouvelle année, là, moins de problèmes. Bon, ça va, nous, les conducteurs, ça va beaucoup nous arranger. On prie Dieu que ça va nous trouver en bonne santé. Rappelons que le 4e pont relie la commune de Yopougon à celle d'Adjamé via celle d'Atékoubé. L'infrastructure vise à améliorer la fluidité du trafic et donner une alternative aux usagers de la route qui empruntent l'autoroute du Nord en provenance et à destination de Yopougon, Adjamé et Plateau. La fourniture de l'électricité sera perturbée le dimanche 7 janvier 2024 de 5h à 9h du matin à Abidjan. Les communes concernées sont Kokodi, Plateau et Adjamé. Cette interruption s'inscrit dans la dernière phase des travaux de maintenance renforcée qui sera effectuée au poste source de Bianor à l'Indénier du mardi 2 au mardi 9 janvier 2024. Ces opérations vont permettre de renforcer la capacité de la fourniture d'électricité dans les communes citées ci-dessus, siège de nombreuses infrastructures hôtelières et du stade Félix Houphouët-Boigny. Ces travaux nous permettront donc de renforcer nos capacités, remplacer les transformateurs de 36 MVA par des 50 MVA et ça nous donne beaucoup plus de flexibilité dans l'exploitation du réseau. Et ça va sécuriser l'alimentation dans toute la zone de Kokodi, Adjamé et une partie du plateau. Les équipes techniques restent mobilisées et les dispositions sont prises par la compagnie ivoirienne d'électricité pour limiter la durée des perturbations. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci.